Pardon. Pense qu'il va falloir que je remplace mon porte micro. À avoir des points noirs. Moi, je doute. Je commence à y RP. Pour l'instant, il s'est rien. J'ai reçu un fil de la part de A. Il me parler. Même si j'ai ma petite idée, on va. Elle.
Ah merde, je voulais. Je voulais faire le pied collé. Hey. Seconde. Attendez. Attendez. Attendre. Donc il y a deux possibilités, soit on rigole, soit on s'énerve. Wow. Je réécris vraiment. Ça sert, toi. Voilà. Roy, c'est son art. J'ai fait en sorte d'écrire prénom-nom dans mon téléphone. Ouh, toi, je sens que tu vas m'emmerder. Non, même pas. Oula. Et bonjour. Et coucou, comment vas-tu? Oh, ça va, ça va. Je voulais te voir par rapport à ton message que tu as mis hier matin, avant-hier matin. Attends, je vérifie ça. C'était avant-hier matin. Oui, pour les poubelles, ben. Alors, vas-y. Bon, déjà, du coup, comment dire? Je vais te dire comme j'ai dit à Mathias. Ça arrive parfois que ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, ça prend 30 secondes d'envoyer un message, ça peut arriver aux autres de ne pas le voir. Là, en l'occurrence, c'était moi et je m'en excuse. Même si je trouve ça, comment dire, je trouve que c'est chipoté quand on dépasse de 10 et qu'on appelle, enfin, qu'on se plaint. Bon, ça, c'est pas grave, j'ai dit à Mathias, de toute façon, j'ai dit, je ferai attention à Mais l'avenir pour plus que ça arrive. sauf que t'as pas tous les aboutissants si tu veux. En fait, la veille, le midi, en revenant de ma vente, j'ai eu la poubelle Qui était à combien? Pardon, j'ai pas entendu. qui était à 1200. Ouais. J'ai eu on l'a fait. Donc la poubelle était très largement dépassée. J'ai été le dernier vendeur à ce moment-là. Ouais. L'appel n'avait pas été fait, la poubelle n'avait pas été vérifiée. Donc là, c'est un petit peu beaucoup abusé. Le matin ou le lendemain matin, elle n'avait pas été vérifiée. Voilà. Et puis là, ça faisait 3 fois que je vérifiais, 3 fois que la poubelle n'était pas vérifiée. Donc si tu veux, c'était histoire de rappel à tout le monde. Faites attention à la poubelle. Pas toujours remettre. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, toi. Bah, Bon, après, c'est tu juste pour ça, vois. c'est pas toi qui étais victime. De toute façon, je ne sais pas, c'était le Ouais. dernier à avoir quoi. Bon, je t'entends vraiment mal.
Mais c'est J'aime. bizarre ça que tu m'entendes mal. Ah voilà, là c'est mieux. Ah oui, d'accord. Du coup, après, toi, soit c'est pas très grave, c'est juste qu'au moment, moment j'étais un petit peu irrité. J'ai même hésité à venir te voir, mais je me suis dit que vu que j'étais irrité et essayer de venir te voir, ben, ça allait être désagréable. Et c'était pas le but non plus, tu vois. Ah oui, non, non, Donc parce que s'il faut être désagréable, il j'ai faut le faire attendu. aussi. Voilà, donc c'était vain, tu vois, c'était un peu inutile. J'avais autre chose à te dire. Ouais, c'est un moment, tu vois, parce que. Ah oui, voilà. Tu dis qu'en gros, la poubelle n'a pas été vérifiée, alors que bah, sur le papier, tu vois qu'elle a été vérifiée 2 heures avant. Même pas 1 heure et demie avant à ce moment-là, je crois. Parce que du coup, je l'avais fait vers 5 heures moins le quart. Donc, comment dire, je trouve que les mots sont mal choisis. Tu vois, parce que tu vois que ça a été vérifié 1 heure et demie avant, dire que ça n'a pas été vérifié, je Bah suis oui, un mais peu si. mitigé, tu Bah oui, mais t'as dû faire une vente entre-temps, je présume. Ouais. Oui, bah Après. voilà, bah c'est ça le truc. Tu vois, moi j'arrive, là, je. Donc là, je l'ai pas fait parce que t'es en service. Mais j'arrive, je. En fait, si tu veux, quand j'arrive, je regarde la Ouais, tu pompe fais un à. tour des stocks. Non, même pas, même pas. C'est encore plus simple. Je regarde la station essence et je regarde par rapport au dispatch si c'est bon. Ouais. Si c'est bon, je regarde pas autre chose. J'estime que c'est fait. Si tu veux. Mais par contre, s'il y a une différence, là je vais vérifier. Donc, bah, je vais remettre à jour tous les stocks. Et en même temps, je vais passer par la poubelle. Ouais. Après, tu Donc vois, voilà. typiquement, hier soir, je crois que c'est nouveau parti en vrille. Parce que j'ai vu Rogers passer 2 fois en une demi-heure et ils ont enlevé 1 200 poubelles. Donc, je pense qu'a priori, hier, enfin, en début de soirée, c'était pareil que. Ah non, 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 hier soir, il n'y a pas eu de couac. Le message avait bien été fait assez tôt, mais Rogers n'était pas disponible. Et quand il s'est passé, on était déjà à 500 et des brouettes. D'accord, ok, oui. Donc il y a Après, dû ça, avoir je un sais pas. message Hein, fait je peux pas peu de être temps attentif après. là-dessus. J'étais pas là, donc Non, mais je peux pas te dire. moi j'étais là, t'inquiète pas. Hein, mais non, il n'y a pas. Mais tu vois, Ok. typiquement, c'est quand c'est hier après-midi, je crois, ou hier matin. Bref, je sais plus. Il y a un moment, je suis passé, la poubelle était à 670. C'est pas grave, tu vois. Enfin, après, quand elle dépasse, normalement, je comprends, tu vois. Je comprends que tu arrives et que la poubelle est à 900. Ça fait chier. Ça fait chier parce que ça arrive de bloquer toi dans ton travail. Mais quand ça dépasse de 10, je trouve que. En fait, en gros, ce qui me frustre, c'est que c'est moi qui en ai pris plein la gueule, alors que je suis sûrement celui qui fait le plus les tours des stocks. Enfin, plein la gueule, non, en vrai, je l'ai pris pour moi parce que du coup, c'était moi avant. Je n'ai pas pris plein la gueule, c'est mentir. Je suis sûrement celui qui fait le plus les tours des stocks avec toi et Mathias. Et du coup, ça m'a un peu frustré sûrement, toi. Et pour moi, quand ça dépasse de 10, 15, c'est pas grave, tu vois. Tu fais ton appel Rogers, et puis voilà. Et du coup, voilà. Je voulais te dire que. À l'avenir, si tu vois qu'il y a mon nom avant, bon après, là, je vais faire davantage attention parce que pour être honnête, Oui, mais avant d'en parler avec qu'est-ce que Mathias, j'en sais, moi, que c'est toi le dernier à avoir vendu? bah, Je dois te le généralement, de toute façon, savoir. si tu vois que le dernier à avoir fait le tour des stocks, c'est moi, c'est que c'était moi le dernier. Parce que je suis le couche-tard de la boîte. Bah, moi, Voilà, en fait, si m'envoie tu un veux, petit message quand j'en ai parlé le premier matin à Mathias, là, justement, quand il Ouais. m'appelle, et bah, il m'a dit, bah, je vais voir ça avec les équipes de nuit. Alors moi, je sais pas qui c'est, hein, l'équipe. Ouais. Ça. Mais toi, si un jour tu vois, tu arrives, je sais pas, mettons les 6 heures du matin, et tu vois que j'ai fait une mise à jour moi vers 3-4 heures, dis-toi que ben, il n'y avait que moi. Généralement, il n'y a que moi la nuit, ou parfois je suis avec Rob, mais il veille pas aussi tard. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Bon après, comme je te disais, en fait, je savais pas, avant d'en parler avec Mathias, que c'était l'heure de la vente en supérette que les déchets étaient produits. Je l'ignorais. Du coup, pour moi, c'était tout qui générait des déchets. Et je pensais pas qu'une vente en supérette en générait autant, tu vois. Ah, si tu veux, en fait, toutes les capsules de fumée, en fait, je mets pour les rendre super. Et en règle générale, parce qu'en fait, c'est consigné, hein, Oui. et nous redonne à peu près un dixième. Oui, Les c'est ce que gens sont Mathias complètement. m'a expliqué bah, hier, du coup. Voilà, c'est ça, les gens sont complètement débiles. Il y a plus un dixième par tour, en fait. Voilà, les gens, Après, je bah, ils veulent garder comprends, une bouteille chez toi. eux. Qu'est-ce qu'ils font avec? Je comprends la frustration parce que, toi, moi, souvent, j'arrive, bah, du coup, le soir, je vois qu'il y a la moitié des camions qui sont pétés, je vois qu'il y en a l'autre moitié, enfin, l'autre moitié, j'exagère, mais c'est pas rare de voir deux, trois Alors oui, camions qui n'ont pas été lavés, pour enfin, les tu vois. camions, j'en ai déjà parlé à Walt, là, le représentant des employés Ouais. suppléants, là.
Et lui, bah, à part grogner dans sa barbe, bah, j'ai pas l'impression qu'il ait fait grand-chose aussi. Ça, par contre, le matin, c'est un truc qui risque d'arriver souvent. Moi, je tue souvent la mule 1. Donc, il est souvent probable que la mule 1 soit un peu abîmée, mais ça, c'est parce que je ne peux pas aller aux zombies tout court, vu que c'est fermé. Après, à partir du moment où elles sont lavées, moi, si tu veux, ça me Ouais, dérange pas. moi, je suis Hein. d'accord Je avec toi. sais que les garages, ouais, bah, ils sont pas tout le temps ouverts. J'en ai vu hier. Ranger la mule alors qu'elle est cassée. Bon, on sait pas comment réellement dans quel état est la mule, mais ils l'ont. Ouais. Bon, bah, après, peut-être que le gars, bah, il est peut-être quand même passé réparé. Il s'est pris un petit choc, la Il y a eu un vitre a petit choc, cassé, ouais. et puis voilà. Mais après, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est agréable de sortir une et puis directement à part les à part réussir. Bref, de toute façon, vu que tu es souvent du matin et que je suis souvent de la nuit, c'est un moment où tu vois mon nom dans la dernière mise à jour de stock. Parce que vraiment, je la fais avant de partir. Tu m'envoies un petit message si j'ai oublié quelque chose. Bon, généralement, globalement, ça va. Mais en fait, là. Le coup de ça fait plusieurs fois alors que la veille j'avais pas travaillé et que et du coup je l'ai pris directement pour moi en fait tu vois j'ai pris Ah comme une bah oui, puisque personnelle moi je sais pas qui c'est, hein, c'était envers tout le monde, là pour hein. le coup c'était moi à ce moment-là mais bon après voilà comme je t'ai dit ça dépassait de 15 pour moi je trouvais que ce message valait pas le coup mais bon ça c'est personnel moi je sais que j'arrive je vois que la poubelle dépasse un petit peu que l'appel a pas été fait je le fais et puis voilà quoi Oui, mais mais faut moi je pense en fait faut pas hésiter à leur montrer. Comme ça les gens ils se disent ouais bon si ça commence à grogner, on va peut-être faire plus attention, tu vois. ouais, bah après, tu vois, Et j'aurais gueulé faut pas qu'on soit pris pour des larbins. Alors, oui, ça peut arriver à n'importe qui. Je t'avouerai, là, trois vérifications, trois fois, où ça ouais, je dépasse. vois. Moi, on m'a dit la limite, c'est 650. Alors, à partir de 650, on doit faire le message. Donc voilà, c'est tout. J'applique juste ce que Mathias m'a dit quand je suis arrivé et qu'il m'a informé. Ok. C'est juste ça, hein. Moi, je suis assez carré sur les règles. On me dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça sera comme ça sera pas autrement. Il y aura pas de, ah bah, on est à 151, on fait pas la même chose. Ah bah, si tu le fais, ça dépasse Ah oui, non, non, mais tu 50, doutes bien que si j'avais vu, il y a la j'aurais limite, fait tu fais l'appel. l'appel. Oui, non, mais Toi, si voilà, j'avais pas fait non, mais l'appel, je c'est que je l'ai pas vu, toi. te donne un exemple. Ça, c'est comme. Je sais pas si c'est encore. Ah bah, si. Hier après-midi, si tu veux, il manquait une cinquantaine de pages de photos, hein, dans le stock. Ouais. Allé les faire parce que je me suis dit, oh, pour 50, c'est encore trop mal. Là, tu vois. Et D'accord, ok. quand ils ont fait la livraison de pêche, tu vois, ils ne bah, sont pas allés récolter les 50 pêches ou ils ont oublié de récolter 50 pêches Ouais. et ils n'ont pas refait la pointe derrière. Bah, moi je trouve pas ça normal, j'aurais pu grogner aussi, mais comme je sais pas dans quel contexte, ça Je vois. Bon, après, de toute façon, des erreurs, on en aura encore, hein, et... Ah bah oui, mais justement, si en les faisant remonter et même pourquoi pas les mettre visibles devant tout le monde pour que justement tout le monde puisse faire attention par la suite et justement éviter encore plus d'erreurs. T'es pas prêt, T'es pas prêt, mon petit chêne. Tu vas avoir des erreurs. Moi, ça, je suis pas prêt. Ah non, mais c'est pas grave, hein. Si je dois grogner, je vais grogner, hein. Par contre, c'est vous qui êtes pas prêt, hein. C'est pas un petit bisounours, ça, hein, faut pas croire. Ok. Bon, ben, je sais pas. Est-ce que je fais une récolte avant d'aller dormir ou pas? Ah, je sais pas. Moi, faut que j'aille prendre à boire, sinon je suis dans la merde. Ah, on ne meurt pas maintenant, c'est dommage. Ah bah oui, y a pas de médecin. T'es trop jeune pour ces conneries. Oh, comment ça, je suis trop jeune? T'as quel âge, toi? 32 ans. Puceau? T'as quoi, 84 ans? Ah, j'en ai 45. Ah. Respect envers l'aîné. Mais n'empêche que t'es quand même trop jeune pour mourir, hein. Oh bah, tu sais, à l'époque du Moyen Âge, on serait déjà morts tous les deux, alors. Oui, mais on n'y est pas, heureusement. Comment ça, on n'y est pas? Hein, bah, vu le comportement de certains, on pourrait se demander. Hein. À boire aussi. À mon avis, je vais faire une petite tournée. Par contre, on est d'accord que
Toi, tu ne fais que travailler. Pardon? On est d'accord que toi, tu ne fais que travailler. Pardon? Tu te réveilles, tu travailles, Pardon? Ah non, je ne fais... tu travailles, tu vas dormir. Non, je ne fais pas que travail. Attends, j'essaie de réfléchir. Je suis congé. Ouais, 9, non. il y a 2 jours, donc jeudi. On va dire que... Ouais, ok, d'accord. Ah non, je... T'es un grand malade, en tout cas. Comment ça, je suis un grand malade? La vache, ton chiffre d'affaires pour ta première semaine est incroyable. Et te plains pas, c'est pas encore mis à jour. Ouais, bah, j'imagine. Ah non, non, mais que... 15. Le jour où je pars, vous allez me sentir passer. Hein. Là, je Ah suis oui. tranquille. Hein. Ah, vraiment. Hein. Ah. Ben oui. Oui, là, c'est rien. Hein. Quand je travaille en fonderie. Et les heures, je peux te dire, ça y allait. Et Ah puis, je crois que c'est pour ça, d'ailleurs. J'avais passé responsable de 2000 lignes et qui voulait me faire passer responsable de lignes complètes. Ben, voilà. En même temps, je savais gérer mon équipe. Oui, en tout cas, le salaire qui va avec doit te faire plaisir. J'imagine que là, tu vas être à 250 000 environ, même un peu plus peut-être. Ah non, Moi, j'ai pas encore atteint le dernier palier. Ce matin. Ah, ok. J'ai Bah écoute. 241 202. D'accord. Attends, moi, je suis à 189 000. Encore loin. Petit joueur. J'aurais aimé atteindre. Oh, petit joueur, peut-être pas. Oui. Par rapport à toi, ça va, ça fait un quart de moins. Ouais, mais tu vois, je me suis dit, allez, pour la première semaine, vas-y tranquille, jeune, force pas trop. Je ne veux pas non plus être premier. Pareil, il y a des gros travailleurs. Bah, on m'a dit. Ah ouais. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier à lui. Un peu prétentieux, Chana. Quoi, Tu un feras peu gaffe. prétentieux. Et tu travailles bien, c'est indéniable. Ben oui. Mais c'est pas la peine de dénigrer le travail des autres. Oui. Ah mais non, non, ah mais je ne dénigre pas. Mais non, mais je voulais, si tu veux, je voulais pas être le travailleur. Bah, c'est raté, voilà. Ah bah je crois bien, oui. Pourtant, j'ai pris la camionnette et puis j'ai fait des tours pour essayer de vendre aux particuliers. Ils ont tous du stock chez eux, ces cons-là. Ah d'ailleurs, il faut que je prenne mes bières en partant, il faut que j'y pense. Ça fait 3 jours que je vais prendre, 3 jours que je n'y pense pas. Oui, sache que tu as droit à 5 bières de chaque par semaine. Hein. Oui, mais je bois pas d'alcool. Comment? Bah tu me les offres. Vas-y, prends. Prends Ok. neuf. Alors, du coup, ça me fait 4 bières. Boum! T'es la deuxième personne qui me les offre. Alcoolique. Bon, allez, moi, je vais travailler un peu. Moi, je vais t'aider à faire ton camion et après je vais refaire une petite tournée. Et après, je me taille. Maintenant, vas-y, fais ta tournée tranquille, t'inquiète. Ok. Et moi, je suis pas en retard. Ah, t'as même en avance. Ah bah oui, j'ai de l'avance sur les semaines à venir d'ailleurs. Ah, ça marche pas comme ça, malheureusement. Comment ça marche pas comme ça? C'est pas Ce sera. mensuel ici? Ah non, c'est hebdomadaire. Ah, oh, abusé. Eh oui! C'est pas grave, j'en ferai les 3 000 en une journée la semaine prochaine. Là. Quelle D'abord. ordure! Ok, à partir de la semaine prochaine, je force. Bon courage, les gars. Ah non, mais moi c'est pas. Moi je c'est pas un concours. Hein. Moi je gagne ma croûte, ça me suffit. T'es un grand malade. Ah non, non, non. Ah non, le jour où je suis malade, je te garantis, tu vas le savoir aussi. Ça va être CA0. Qu'est-ce que t'es con. Bon bah Ah du non, non, coup, réaliste. bon courage et des boutous. Ouais, un peu tard. Bizarre, je m'y attendais. Bon, mon micro, il me pète les couilles à mal. Hop là, et... Il me casse les bonbons à mal prendre. C'est une horreur. Normalement, Oh, sinon, je vais après. Je vais poser une question, mais je vais après.
D'ailleurs, programme de la journée. RP ce matin. Pardon, bâillement. Pour commencer déjà. Et cet après-midi, peut-être live, ce sera peut-être. C'est encore ça comme pétition. Comme. Avant-hier. Pas des petites courses, là on essaiera de trouver des petits. Un petit écran. Et des préférences des circuits que je. Ou voir pourquoi pas se pencher sur les réglages pour justement essayer d'être un peu plus performant. Et je crois que c'est le TS là. Ah, pardon. Alors, à savoir qu'avec. Que là, il disait t'es un grand malade, t'as bossé autant. Vraiment, pas du tout. C'est juste que. J'ai toujours été un farmer dans les jeux. Donc là, c'est pareil, en fait, c'est ma oui. Et du lac, quand il était en entreprise, il faisait toujours des grands chiffres. La chaîne, ça. Pareil. Pas qu'au vignoble, mon record, c'est 450. 450 000 de CA, donc. Là, je suis à peine à la moitié avec 200. Alors oui, hein, j'ai. Par contre, là, ça a été un peu dur sur la France. Qui était un peu embêtant. Et j'avais pas travaillé le dimanche. J'étais arrangé avec le patron, c'était arrivé au 450. Le samedi soir, j'avais dit le dimanche je serai présent. Au final, je m'étais à moitié fait. Ben, c'est pas mal. Donc là, on va se préparer à 1500 en stock. Oui, hein, j'ai joué un peu hors stream. J'étais pas motivé. Et clairement, j'étais pas motivé. Là, il y avait Art qui voulait me parler, donc je me suis dit, oh bah tiens, allez autant dans celle live maintenant. Donc voilà, je voulais live aujourd'hui là, mais je pensais pas lancer si tôt. Pour ça que le début il y a un petit peu à l'arrache. Bon, il y en a eu un hein, des petites parts de rigueur.
Hein? Comme ça. Comme ça, je t'ai pas motivé à live. Bon ces barres-là finiront. Et également, je fais comprendre que en IHN, c'est comme ça. Donc Sean en a un peu rien à foutre. De tout, il rigole sur tout. Et le règle, juste le règle. Le règlement et la politique. Les règles de... règles... Les lois également de... J'ai décidé de le jouer comme ça. On verra bien. On verra bien jusqu'où ça... Pour le moment, Sean, il veut son CDI. C'est tout pour. La semaine prochaine, il passe CDD, normalement. Peut-être d'après, il passe. Non, je sais pas si on lui a dit qu'il y avait que j'essaye de voir. Mathias ou Charles, si je... Je leur dis ouais, dans les lois, j'ai entendu. C'est lui qui avait. Je te joue comme ça. Mais avec ce que j'ai à leur proposer, j'ai. De toute façon, ça se verra que je lis et que je connais une partie de. Et des arrêtés de la ville. Donc Julie, Jeanne s'intéresse ouais. Et aux arrêtés. Pas pareil. Effectivement, depuis que je suis sur le serveur, je connais quand même les grands principes. Je connais toutes les lois par cœur. Non, non. Ça change tous les 4 matins. Calme du calme. Et puis j'ai fait le con, j'avais pas vu que j'étais à 33 kilos avant de partir du champ. J'aurais pu forcer pour avoir les 10. Mais non. Mais non, mais non. 310.
Et coucou, cet argent des. Pour moi, ça. Un petit tour et oh, comme bouffer. Ah non, m'emmerde pas. Hein. Garçon. Est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Normalement, c'est bon. Il n'est pas placé comme je veux encore, c'est pas ça le fait. Ça faisait vraiment qu'il était pas passé. Tous ces bobottes qui parviennent. Ça passe. Ah, ils ont pas de voix, je les camions. Ça démarre rien. Le panneau, stop. J'ai eu chaud au cul. Par contre, je sais plus du tout. Quel perso tu... J'arrive pas à me remettre. Voilà, comme ça, normalement, ça devrait être mieux. Ouais, je devrais être moins. Et le son devrait être pas mal.
était l'homme le plus recherché au début de la semaine. Ah, t'étais... Merde. Monsieur Saint-Fer, là. J'ai fait dégager à New York, là, par Von Buren. Oui, ok, ouais. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui t'a fait virer comme ça, là? Oui, bah Sean vient de New York, alors je t'avoue, quand il a vu ça, il a bah super. Longue, très longue histoire. Bah, j'ai cru comprendre que c'était, parce que j'ai pas tout suivi hein, de l'histoire. Que t'avais travaillé avec l'église, ça s'était mal passé, donc tu t'étais barré, t'avais fait juste quelques heures. Et que t'avais postulé à d'autres entreprises et que t'avais jamais répondu. De ce que j'ai cru comprendre, hein, tu me dis si je me trompe. Est-ce que quelqu'un remplit mon... Bloc. Ah ben non, personne n'a rempli. Personne. Prochaine révision flotte ce jour. Alors, l'église, 15 jours plus vite. Comment ça, postuler? Refuser sans phrase. Oui, bon, ça c'est beaucoup de boîtes. Hein. Ok. Après, oui, c'est vrai que c'est chiant de... Pas sans entretien, surtout qu'ils doivent pas en avoir 50 000 à chaque fois. Tu vois, moi, c'est ce qui s'est passé avec mon perso, j'avais postulé au Weasel, j'avais passé un entretien. Et juste avant la pandémie, donc à la pandémie. Le Weasel a envoyé un message à Sean. Ah bah, au vu des circonstances, on vous rappelle plus tard. Ouais, bah, pas de soucis. Demi terminé, pas de... Quoi que le mec en question il met des annonces, bon. On va le relancer, on va voir ce que ça donne. Ah bah non, au final on vous prend pas. Bah ouais, mais dis-le quoi. Plus de 120 entretiens liés là.
Puis là, t'as tous les lèches-culs qui veulent rentrer chez les pompiers, là. Quand tu vois les vagues de démission qu'il y a. Ah, non mais. En fait, c'est une nouvelle future. Les mecs se disent. Ah, oh, bah c'est. Ça va être bien. On va rigoler, en plus on va jouer avec Alex. Ça va être super. Gnagnagna. On va arrêter de faire les chiens. Ah, t'es en attente, t'es même pas en cours de reroll. Ah, je pense. Je pensais qu'il te coupait ton perso, moi. Alors par contre, ils ont vachement bien bossé un truc. Oui, c'est nouveau, tout le monde veut y aller, mais. Et j'ai vu sur. J'ai vu bah, sur le live d'Alex, là, certains qui ont postulé, là. Tu vois, bizarrement, ils avaient postulé aussi. Bah, ça, par contre, j'y étais. Avec du lac. Quand Evolt et Darnell avaient été sortis, ils avaient postulé. Quand Birelli et Lou étaient sortis, ils avaient aussi postulé. Tu vois, ça c'est des LHQ qui veulent toutes les nouveautés d'un coup et qui croient savoir tout faire. Ils ont tout fait, ils ont tout vu, ils peuvent tout faire. Mais au final, ils ont rien compris au machin. Quand ces mêmes personnes-là te sortent. Ah bah je vais aller grimper le mont Chiliad avec Agmanéon. Ah non, en fait tu peux pas. De une, c'est pas une voiture adaptée pour. De deux, t'as pas de pneu 4x4. Non, en fait tu peux pas. T'as pas à le faire. Mais merde, mais quel coup. Ne reprends pas, ne reprends pas, ne reprends pas. Ah. Lâche tout. Trop de balles. Voilà. Comme ça. Ah oui. Mais oh putain. Voilà. Ah oui, clairement. Et quand ça te parle, ça te dit de la grosse merde à HRP. Tu leur envoies un mail, tu leur fais. Fais attention à ça. Ça va pas sortir en RP. Ah mais c'est écrit où? Bah ça a été dit plusieurs fois en réunion. Donc, à un moment, t'es perçu un peu en réunion, c'est compliqué quoi. Ah ouais, mais moi, on m'a jamais dit. Bah, ouais, bah justement, je te le dis. Non, les mecs, ils sont putés. Les casse bonbons. Ah bon, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, j'espère qu'il a laissé un. Hein. Un houblon là, c'est pas mal. Je fais un 320, nickel. Ça donne, tu vas couper la route.
Ouh, putain, je m'y attendais pas ça. Bon quoi, les personnages matures, ouais, non. Je pense que j'irai, ouais, dans 6 mois, 1 an. Je tenterai ma chance. Ouais. J'ai une question. Avant-hier, début d'après-midi, vous n'étiez pas. Je vais te montrer sur la carte. J'étais en vente juste à côté, j'ai vu une gonzesse. Tout habillée de noir. Sauf la chemise ou la veste de costard, hein, qui était en blanc. Et je me demande si c'était pas vous là quand j'ai vu tout ça. Il est encore là, fait chier. Faut que je vais prendre à boire. Ouais, mais je. Ah, si je. Parce que j'ai sur moi, je crois. C'est où j'étais en vente? C'est celle-là. N'étiez pas par là avant de partir en croisade toute le boxe. Oula, il y avait plein de véhicules quand tu es arrivé. C'est quoi ce bordel? Il y a une gonzesse, elle est rentrée. Elle m'a regardé 2 secondes. Elle est repartie. J'ai pas compris le move par contre. Non, c'était pas vous, ok. Il y en a. Ça sera du 319. Non mais c'était avant Bonne que nuit le à toi, chef. 300. Ouais, à plus tard. Et pas bonne nuit ce que je viens de me réveiller. Non, c'était avant que vous fassiez arrêter. Hein. Donc faut que tu te fasses. Ok. Et merde. Ravi ce matin. Félicitations que t'as explosé la kill. Il y a celle près de dernier, a priori. Ah si, c'est celle près de dernier. Elle a pété 2 fois alors que normalement ça ne la pète jamais. Bon, c'est rare. Au moins, ça a donné du boulot. Les pauvres, s'ils m'entendaient. Ouais, ça, salaud, tu sais comment ça marche. Ah ouais, non, parce qu'elle a pété 2 fois. Elle. Elle a pété 2 fois dans la même journée. Compliqué. Oh purée, je vais être à 1006.
Abusé. Ah bah ouais. Bah, le problème c'est quoi? C'est pas une station qui est censée exploser en fait. Donc il suffit juste d'un que le cryptage décide que qu'un consultant fonce dedans, effectivement. Une plaque. De toute façon, là où t'en es, hein, toi ou pas toi, c'est pareil, hein. De terrorisme. Terroriste, un terroriste. Fait sortir un RPG. Au moins c'était réglé. Ouais, mais ils mettent vite. Les flics mettent très vite des crimes sur sur le dos des autres là. Là, je vous ai pas vu, mais c'est où? Ouais, ok. T'avais pas d'arme. Comment tu mettais le feu sans avoir d'arme à feu là? Ah oui, tu faisais une traînée d'essence, c'est ouais, ok. Rupteur et puis les. Ok, elle pensait à le faire à une période aussi. J'avais un peu là. Du lac avait un peu la rage contrôle, là, il n'y avait pas envie de les emmerder. Et j'avais pensé à faire ça. L'essence au compte. T'as tout compris là, attends. Les stations essence c'est bien, mais tu peux pas marcher avec le. Avec le tuyau, je crois. Ah non, c'est une fois qu'il est dans la voiture que tu peux plus. Ah oui. Ouais, direct là. Direct à la pompe. Oui, non, mais c'est moi qui me suis. Je me suis trompé une fois que. Une fois que c'est dans le réservoir où tu peux plus. C'est là où je me suis trompé. Il est tôt encore, il est à peine 6 heures. Calme. Calme, les enfants, on se calme. Ouais, un connard. Ouais, c'est ça, ouais, il est tôt, alors je peux encore aller faire mon caca du matin. J'ai envie tout à l'heure, il y a peu de temps que t'arrives. Regardez, oui.
Même pas pris le café encore. On va peut-être m'en faire un. Hein. On réveillerait peut-être. Ouais, si je dis pas de conneries, t'as envoyé un message avec ta position au flic. Si c'est bien ce que j'ai compris. Sur le stream de Navios. Comme un con. Ah bah super. Ah bravo. Ne vous félicite pas, monsieur. Après, sur un truc comme ça, ouais, plus de 24 heures, voire 48 heures, ça commence à être long. Pour tout le monde. Ah bah oui, je pense bien, oui. Tu t'es dit, oh merde. Comme moi, à un moment, là, je parlais dans la semaine, en plus. Parlais avec, l'un des deux représentants employés comme bien, là. On était parti sur de la politique, les patrons. Hein, plus c'est gradé, plus c'est con. Et il y a un chef qui fait, elle parle pas trop fort, j'entends tout. Hein. Ah, ah merde. Oui, mais vous avez pas tout le contexte, chef. T'essayes de te rattraper comme tu peux. Oh, bah surtout pour le serveur là. Oh hein, les gars. Juste une bonne après-midi. Crois que ça durait déjà depuis 24 heures, moi. Que ça faisait plus de 24 heures que. Ah putain, il a pas. J'avais cru comprendre que ça faisait plus de 24 heures que la chasse avait commencé. Et tout ça là. Oh là. Il y en a un chez nous, il me tue. Le mec, il s'est appelé Patrick Dujardin. Ah oui, ok, ouais, ils avaient rien. D'accord. Si, si, il l'a fait. Si, si, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Ouais! Ok, d'accord.
Ouais, ça me fait penser à Patrick de Franck Dubox là, dans Camping. Et du jardin, bah genre du jardin. Et il y en a, ils ont de ces idées. Il y en a un aussi sur le serveur, il lui a fait un jeu de mots avec. Avec son nom, prénom, là, je sais pas comment c'est passé au niveau store. Normalement, c'est interdit. Mais bon, Patrick Dujardin, ça reste drôle. Celui qui a pas les rêves. Trop jeune, trop jeune. Faut être ici, quoi. Jean-Michel aussi. Ah, je connaissais pas lui. Reconnu. Et ouais, il y en a certains. Mais c'est pas une blague d'Alex et Berlus, hein? Jean-Michel, hein? Pas sûr que ce soit son vrai nom. À moins que je me trompe, mais. Après, tu vois, c'est pas. Le jeu de mots n'est pas trop nul. C'est vraiment ça. Et l'autre que j'avais vu, c'était du genre Jean espace Neymar, quoi. Bah, c'était vraiment gros gros jeu de mots bien visible par tout le monde. Ah ouais, tu fais des croisements, toi. Alors, du lac avait mon prénom juste orthographié autrement. Alors là, il m'en faut. À partir avec 80, il en restera 10 ans. Ouais, non, je partirai avec 80. Ok. On reste 3 kilos pour de la bouffe. Et hop, voilà. Ouais, bah après moi ça me dérange pas, je sais pas. Je sais que. Bah là il est tôt donc je suis pas sûr d'avoir du monde. Jeune est assez con sur les deux. Mais Sean lance des dingueries à n'importe quel âge. Lui, c'est le jeu de mots à la con. Pour preuve, j'ai un clip d'ailleurs que j'ai fait il y a pas. Dans la semaine, là. Donc j'envoie le message au flic. On lui a dit, ah, faut envoyer un message à la police quand tu vas là. C'est ce qu'il fait, voilà. En bas. Et
Donc il y a un flic qui l'appelle. Ah bonjour, on tourne dans le coin, vous inquiétez pas. Et monsieur l'agent, pourquoi vous êtes au coin, vous avez fait des bêtises? Tu vois, c'est que des conneries comme ça. Dès qu'il va y avoir un mot déformable, mais le pire c'est que je le fais pas exprès entre guillemets, je pense à la connerie et je me dis, ouais vas-y ça passe au RP, let's go. J'ai une demi-seconde hein, pour avoir cette réflexion là. Bon bah voilà quoi, ça passe. On passe tranquille. Hier avec Naep, je crois, la gonzesse, l'ancienne chef du cercle, et aux EMS. Pareil. Et juste avant de se quitter, justement, c'était l'occasion de pouvoir couper la conversation. Je vais sortir. Ah, ils me l'ont mis bien profond, hein, jusque dans le fond. Et sur ce coup-là, je me dis, voilà quand même capté la connerie. Mais non, même pas, elle a pas capté. Donc, pour moi, elle a pas capté la connerie. Donc, dans les 10 secondes derrière, je ressors. Je sais pas son prénom en rôle. Mais je crois que c'est ça. En RP. Et donc je lui sors. Important, je suis pas normé. Hein. Allez, bonne journée, madame. Et là, je l'entends qui pète derrière. Je fais, allez, c'est bon, c'est passé. Crème comme une lettre à la poste. Naïlim, voilà. Peut-être que je dis mal son pseudo. Hein, mais je sais qu'elle est. Ça dérange pas trop ce genre de conneries, donc je me permets de le faire. Au vu de ces personnages, je sais que ça la dérange pas. Et ouais. Et... Ok, c'est Maria ça. Donc voilà, en plus elle était venue en hélicoptère, donc le chêne tout admiratif. Venir le voir, il fait flap, plein, 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 plein. Voilà, tout. Ah, il enchaîne une belle, hein, il enchaîne une belle. Hein. Belle grosse couche de con, là. Il est. Salut. Ah, oh, non, mais moi, c'est que ça. Hein. Avec Shen, c'est que ça. Avec Walt, le représentant d'employé, c'est pareil. Hein. Je lui en mets plein la tronche, hein, je me permets. On se parle beaucoup, hors jeu, ce qu'on fait d'autres gens ensemble. Je sais jusqu'où je peux aller avec lui. Faut que ça tabasse. Il y a du. Putain, j'arrive pas à voir. Allez, rouge. Enfin, j'ai même pas regardé où je pouvais aller. Ah bah, allez, on va aller aux zombies. Hop, direct. Pour me faire chier. Donc ouais, si tu fouilles un peu mes streams, tu peux tomber sur des canons. Où l'agent police? Ah, t'as plus droit à l'avant toi. Ah non, j'étais pas en stream sur ce coup-là, putain. J'étais chez les médecins... BCUS. Ils faisaient quoi chez eux? Ah, je crois que j'avais attrapé une grippe ou une carie comme ça et j'ai pas envie de bouffer un. Il avait des cornes sur la tête. Alors j'adore faire chez les gens qui ont des cornes sur la tête. Faites attention, hein, il y a quelque chose qui pousse sur votre tête, je pense que c'est pas normal. Déjà, tu commences la connerie, hein. Donc je sors, il faut aller voir des médecins compétents. Comment ça, vous dites qu'on n'est pas compétent dans notre hôpital?
Ah si si, moi je pense que l'hôpital est très compétent, mais pas tous les médecins. On va juste vider un peu ici, puis on ira. Bah si, tous nos médecins sont. Tous nos médecins sont compétents. Non, c'est pas possible. Et ouais, je vais le répéter une vingtaine de fois, au final ça a fini en fou rien. Ah bon, bah. Ouais. Ouais, voilà. On était tous les deux morts de rire, on n'en pouvait plus. Non, c'est pas possible. Voilà quoi. Non, je te prends là. Un peu dommage pour la connerie. Pas constamment envie. Je voulais voir un truc. Je sais plus quoi. Yo, no sé. Ah mais si, c'est bon, je sais. Mon portable qui a un message sympa. Regardez mes... Ah, super. Fâché. Ça comme vous inquiétez pas, tout va bien. Juste d'apprendre que en 3 semaines, va falloir que je fasse ça. 1 heure et demie de route le matin. Génial. Vive les couillons qui pensent qu'à leur. Oh, je suis pas énervé. Aïe. Béton. Ok. Ouais, c'est ça. Oups. Non, c'est pas ça, c'est le coffre que j'ai. Va juste descendre le coffre à 1002 et... Zombie après. Six. Y a-t-il comme nouvelle aujourd'hui?
Phase de bloc, status, la zone. Alors ça c'est... Oui. Alors je suis pas allé sur ma boîte mail depuis mercredi matin. Et ça fait HGPE. Là. C'est rapide les mails. Vous le dites, hein. Donc je recharge le TIF. Net, faut être lavé, t'as des mouches qui tournent autour de toi. On rentre, ça pue. Comment ça, je viens de dire une dingue. Pas vrai. J'oserais pas. Allez à la douche Ginette, pousse-toi. Garde ton magasin. Ah, s'il y a du monde sur le serve là. Bon, on est dit. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer un message au flic? C'est la grande histoire. Perso, je ne pense pas.
Pas tranquille, hein. Une de 110. Si je vends tout et que j'ai pas de déconnexion. Normalement, je devrais prendre. Le tour. Hop, nickel. Il y a quoi comme rat en or? Et là, par contre, c'est en train d'être pris. Enfin, attention. Ah, ça pourrait être pas mal. Voir si c'est encore disponible. Prix de la semaine d'après. Grand chose, pas trop cher. Ah si, là il y a une caravane. Encore les sous. Ah, du lac il avait eu celle-là.
Non, on déménagera en novembre. Envoyez Ginette, je vais voir ta sœur un peu plus loin. Ciao. Fais gaffe, t'as les lèvres qui commencent à blêmir. C'est bon de te remettre du chauffage aussi après ta douche, là. Bah ouais, je suis pas un sombre connard. Hop, le petit virgule qui va bien. Ouais, juste histoire d'éviter les dingueries. Voilà. Coucou Ginette. Ranger. Mais oh. Voilà, bah, c'est à peu près une heure.
Après celle-là, on va arrêter. Course. Je coupe le micro, j'ai le temps de faire le café. Fiche, on peut le servir dans la. Là, il fait quoi?
Je suis con, c'est pas. Épisode 3, pas le 2. Putain, il est chaud le café. Mais bah t'es pas réveillé, oui c'est pas. Déjà baissé, ils sont pas pris l'appel.
T'as besoin de manger. Surtout ce temps-là.
désolé si je suis un peu. Petit déj en même temps. Là, je vais Il faut qu'il termine quand. Et petit gâteau. Bon, mes chers, rejette du. Rejette du. C'est bon.
Ah bonjour, je te mute alors que je vous parle. Eh ben tant pis. Je vais appeler, je vais pas vous parler de faire des courses. Je pense que ce soit fermé. Mais c'est pas grave, pour la peine, je vais faire une pause après la vente. Voilà. Ou bien les refermer. Allez, accélère mon gros. Ah. Nouveau. Et puis il y a toujours personne. Mon avis, il n'y a pas grand monde ce soir.
Allez, ça c'était sûr. Merde, c'est l'autre. Chaque fois, je me plante. Je peux pas voir ça. Bon les amis, j'ai fait une petite pause, on va reprendre après. On va couper le live, ça sert à rien de rester. On s'en avoir pris une petite heure. Voilà. Allez! Au revoir les amis.